Et quoi les matelots? Vous avez tous la fosse. Et oui, je le sais bien, il est vieux mon trois-mâts. Mais il me faut 12 hommes, un capitaine à mousse, qui le ramènera vers le Guatemala. Alors pendant ce temps, il cherche un équipage, contraint de le former de marins d'occasion. Vagabond sans aveu, dont certains tatouages affichent l'anarchie et la révolution. Mais lui, le malabar, lui qui n'a peur de rien, au moment du départ, leur dit, je vous préviens, je suis le maître à bord. À bord, je suis le maître, bien des costauds d'efforts ont dû le reconnaître. Je vous promets, moi commandant, double ration, bon vin, bonne route. Je serai juste et indulgent, mais il faudra que l'on m'écoute. Et maintenant, le cap au nord, je suis le maître à bord. Pendant 40 jours, le navire est en route. Les vents sont contre lui, le mauvais temps aussi. Et bientôt plus de vivres, ni plus d'eau dans les soutes. On sent que la révolte est à bord et grandit. S'avançant dans la nuit, 4 hommes fous de rage ont l'insulte à la bouche, le couteau à la main. Parlez au capitaine, au nom de l'équipage, il faut que tu nous donnes des biscuits et du vin.